Le groupement des sapeurs-pompiers militaires, GSPM, a dressé ce jeudi 3 mars 2022 le bilan de ses activités pour le compte du mois de février. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires, GSPM, a présenté ce jeudi 3 mars 2022 le bilan de ses opérations pour le compte du mois de février. Elle indique que le mois de février s'est achevé avec 2473 interventions au total, soit une moyenne journalière de 88 interventions. Monetized by Optat 360. Les causes d'intervention. Selon le GSPM, les principales causes des interventions restent les accidents de circulation qui constituent à eux seuls 51,31% des sorties, suivis des transports de malades avec 11,89% et des feux avec 11,40%. Parmi les feux, 92 concernent les maisons, 62 sont à caractère électrique, 37 intéressent les voitures, 14 les bouteilles de gaz à usage domestique, et 12 les magasins. Au niveau des engins prépositionnés, ceux-ci ont réalisé 24,1% des interventions, 596. Nous dénotons malheureusement pour ce mois 38 fausses alertes. La situation des victimes. Le communiqué du GSPM indique que, concernant les victimes, 1708 ont été transportées durant ce mois de février, 516 ont refusé de se faire évacuer et 85 décès ont été constatés. 77,13% des victimes sont dues à des accidents de la circulation. Les communes de Yopougon, Cocody et Abobo enregistrent les plus grands nombres d'interventions. Pour ce qui est des évacuations, 12,35% des victimes ont été adressées au CHU de Trècheville, 9,17% au CHU de Bouaké, 6,89% à l'hôpital militaire d'Abidjan, 6,86% au CHR de Korogo, 6,70% à l'hôpital général d'Abobo Sud, 5,81% au CHR de Yamoussoukro et 5,78% au CHU de Cocody. Le reste des victimes a été pris en charge par les hôpitaux généraux et les structures sanitaires de proximité. Abobo, Cocody, Yopougon, au rouge dans la ville d'Abidjan, les communes de Yopougon, Cocody et Abobo enregistrent les plus grands nombres d'interventions. Comparativement au mois de février 2021 où 2277 interventions ont été faites, une hausse de 8,61% a été constatée. Lire aussi Côte d'Ivoire. Guiglot, fou de jalousie, le mari cocu tranche le sexe de l'amant de sa femme et le braise les compagnies d'Abidjan avec respectivement 953 pour la première compagnie, Indonier, 483 pour la quatrième compagnie, Yopougon, et 366 pour la deuxième compagnie, Zone 4, réalise les plus grands nombres d'interventions, la huitième compagnie basée à Bingerville réalise quant à elle 138 interventions. À l'intérieur, c'est la compagnie de Bouaké, troisième, avec 227 sorties qui arrive en tête, la sixième compagnie à Korogo enregistre 146 interventions, tandis que la cinquième compagnie à Yamoussoukro en compte 119 et la septième compagnie de Nzianou en 41.